d'abord, et puis, ensuite il passera des petits discours. Alors messieurs, Dimitri va fêter ce livre. Alors, je vais te demander ce prix de construction de l'Union. Je te fais une bise parce que je sais que tu le mérites beaucoup et que tu collabores. Merci à vous. Merci. Le deuxième, donc le trophée va installer dans le bureau. Je suis très fier de vous. Merci beaucoup. Et moi, Loan, remis par vous en plus. Ça fait merci. On peut vous associer. Le Moniteur, qui est un hebdomadaire professionnel, le premier hebdomadaire professionnel en France, a trouvé il y a 10 ans qu'on ne parlait pas assez des PME, des petites et moyennes entreprises françaises qui sont le tissu du bâtiment des travaux publics. Alors nous avons créé ce prix qui est composé de 4 prix qui représentent en gros les métiers du BTP. Donc il y a un prix gros œuvre qui correspond à la maçonnerie, un prix second œuvre, tous les corps des métiers qui font le bâtiment, un prix travaux publics et un prix génie électrique thermique, donc on a appelé nous cette année équipement technique. Ça permet de parler de tout l'ensemble du BTP et de trouver des entreprises dont on ne parle jamais. Alors évidemment, les majors, les grandes boîtes, on en parle tout le temps, elles ont des attachés de presse, les collectivités aussi. Les PME, évidemment, ne sont pas structurées, donc ne font pas parler d'elles. Et il nous a semblé, nous, au Journal National, qu'il était important de faire parler donc, de ces entreprises. Donc quelle meilleure façon d'en parler que de leur décerner un prix et de faire donc réaliser des portraits de ces entreprises. Voilà. Donc Coreba correspond tout à fait cette année à notre profil d'une performance à la fois sociale, économique, environnementale, et j'insiste sur ce point, c'est vraiment des entreprises qui sont à la fois de notoriété, de bonne notoriété et de compétences reconnues, et puis quand même avec une bonne administration qui fait une bonne gestion, qui fait que l'entreprise reste dans les clous en matière financière. Ce prix et cette reconnaissance sont le fruit de près de 30 ans de travail, d'investissement humain, d'une bonne gestion financière et humaine de la part de tous les associés salariés de la Coreba. Ce prix vient également encourager le statut SCOP. C'est ainsi une reconnaissance d'un statut qui fait ses preuves et qui est toujours d'actualité dans ce contexte économique actuel compliqué et instable. Contrairement aux sociétés classiques, les SCOP ont une clé de répartition du résultat bien particulière. 15 à 40% du résultat sont affectés à des réserves impartageables appartenant à la SCOP. À Coreba, à ce jour, c'est 2 500 000 euros de réserves impartageables. La motivation, l'implication et la responsabilité dans le travail des salariés associés sont les valeurs et les clés de la réussite des SCOP. De plus, la mutualisation des moyens évite la dispersion des efforts. La SCOP évite également les délocalisations, favorise l'ancrage territorial et contribue à la dynamique d'un village, d'une ville et même d'une région. Alors Coreba a été créé en 1983 avec 21 salariés. Aujourd'hui, 91 salariés répartis sur 2 sites, 70 sur Asparin et 21 à Morlas, avec 80 salariés associés. Son capital s'élève à 875 000 euros et son chiffre d'affaires n'a cessé d'évoluer jusqu'à atteindre 10 400 000 en 2010. J'espère que ce prix encouragera de futurs créateurs de SCOP à suivre notre exemple et ainsi faire perdurer le système SCOP, et vous remercie encore à tous de nous faire confiance.